Hello tout le monde! Comment allez-vous? Moi, je vais super bien. Petite vidéo pour vous montrer ma nouvelle façon d'organiser mes diamants lorsque j'ai terminé un diamond painting. Donc, je vous ai fait le vidéo unboxing là, de mes commandes Amazon. Je vous avais présenté mon matériel. Ma boîte, là, comme ça, ici, là, des pochettes des plastiques de pochettes de hockey là, ou de protège-cartes. Là, je ne sais pas comment que... Voyez-vous ici, protège-carte à 9 poches. C'est ce qui est écrit dessus. Puis, il y a mes petits sacs Ziploc, là. Donc, je vais faire une vidéo, là. Je vais vous montrer, là, comment je m'organise. Voyez-vous, j'ai terminé le diamond painting de l'Indienne. Donc, mes diamants en plus ici, j'ai pas les numéros de couleur, ceux-là. C'est pas comme exemple, voyez-vous, j'ai ici, là, ça, c'est le lion. Le lion, j'ai les numéros de couleur, là, dessus. Mais l'Indienne, c'était seulement des lettres. Donc, avant, ce que je faisais, je les mettais tous dans un même pot commun, puis ça faisait comme un gros tas multicolore. Je suis un petit peu tannée de ça. Donc, je me suis dit, je vais les garder. Puis, en même temps, moi, mes diamond paintings, je ne les encadre pas. Je les conserve dans une boîte. Donc, je suis pas à l'abri qu'à un moment donné, un de mes diamants décolle. Donc, je me suis dit, là, ça me prend une nouvelle méthode qui prend pas beaucoup de place. Comment que je vais faire ça, puis que je peux garder mes diamants que j'ai pas les codes de couleur. Donc, ce que je trouve merveilleux, c'est que là, j'ai 9 carrés par feuille. Donc, pour un diamant, là, un diamond painting, je vais prendre quoi? 2 feuilles, maximum 3, tout dépendamment de la grosseur, là. Je verrai lorsque j'aurai des 50 par 60 et des plus grands. Mais pour l'instant, pour mes 30 par 30, mes 30 par 40, c'est quoi? Ça va être 2 feuilles, maximum 3, là. Même encore 3, je ne penserai pas, là. Peut-être, là. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais les regrouper. Comme là, j'ai pas les codes de couleur. Donc, je vais y aller avec mes petits Ziplocs et puis je vais écrire là, la lettre que j'avais. Puis ensuite, là, c'est ça, j'ai des collants ici comme ça. Donc, sur chaque collant, là, je vais écrire la lettre. Puis ensuite, sur la pochette à l'extérieur, je vais venir dans le bas poser là, une petite étiquette qui va me dire, bon, dans cette feuille-là, ce que j'ai là, ces lettres-là, vu que j'ai pas les codes de couleur, c'est pour quel diamond painting. Puis même si j'ai les codes de couleur, comme le lion, j'ai les codes de couleur, je vais faire la même chose, je vais les classer en ordre, sauf que je vais l'écrire dessus, en dessous du chiffre, là, sur mon petit rond ici, sur mon autocollant, je vais écrire le chiffre que c'est, et puis je vais écrire pour quel diamond painting, exemple le lion ou quoi, je vais me comprendre, là, je vais le savoir, si je fais plusieurs lions, tu sais, je vais marquer lion 02 ou... Juste question que si à un moment donné, c'est sûr, un diamant décolle, je vais pouvoir le recoller facilement. Donc, j'ai mon cartable ici de 3 pouces, donc il en rentre énormément dedans, mais 100 feuilles vont rentrer, là, c'est sûr, sûr. Donc, mais que je change de cartable, je vais me racheter un paquet de feuilles. C'est pour ça que je me suis dit, tu sais, ça sera tout en même temps. Donc, ce que je vais faire, au début du cartable, je vais avoir des feuilles avec les numéros de mes diamants. Je vais essayer de les classer. Ben, c'est ce que j'avais pensé. Là, je suis comme encore en hésitation parce que je suis pas certaine. Est-ce que, bon, j'y vais diamond painting par diamond painting. Mettons, l'Indienne, ça me prend 2 feuilles. Je mets mes 2 feuilles, puis j'ai mes ronds dessus avec mes lettres. Puis, c'est marqué sur la feuille dans le bas. Bon, ben, tout ce qu'il y a là-dessus, c'est pour l'Indienne. Est-ce que j'y vais comme ça ou bien je sépare? Je fais ça quand même pour ceux que j'ai pas les numéros. Mais je mets, mettons, dans le début du cartable, je vais mettre, exemple, toutes les feuilles, là, je vais essayer d'y aller en ordre. Fait qu'exemple, ma première feuille, bon, les numéros qui commencent, je sais pas, moi, dans les 100. Bon, mais je pourrais avoir 100, 101, 102, 103, 104. Mais sur chaque exemple, j'écrirais, bon, ben, c'est le 102, mais de tel diamond painting. C'est le 104, mais d'un autre diamond painting. Tu sais, c'est sûr, je suis encore en hésitation entre deux. Je ne sais pas si vous comprenez, là, c'est un peu compliqué. Moi, je me comprends. C'est ça, c'est soit que j'y vois, je les classe par diamond painting, ou bien je me fais une section au début, j'y vais par ordre de numéro, en ordre croissant. Puis ensuite, après, ben là, j'y vais avec ceux que j'ai pas les numéros, comme que je parle. Je suis encore en hésitation. C'est pour ça que là, je fais seulement le classement de l'Indienne. C'est ça, pour le début, je ne sais pas encore. Je pense que je vais peut-être plus opter là, pour la deuxième méthode que je vous ai parlé. Y aller vraiment diamond painting par diamond painting. Même si c'est pas en ordre, après ça, moi, je vais tourner les feuilles. Bon, OK, ça, c'est l'Indienne. Ah, OK, ça, c'est le mignon. Ah, OK, ça, c'est le lion. Tu sais, pour aller comme chercher, je crois que ça va peut-être être plus facile pour moi comme ça que d'y aller en ordre croissant, que ça soit tout pêle-mêle. Bon, OK, ça me prend le A de tel de diamond painting. Bon, là, il faut que je trouve c'est quel numéro déjà, tu sais.
Donc, je crois que je vais probablement plus, là, tu sais, c'est ça pour l'instant, je suis encore en hésitation, mais je pense que je vais vraiment y aller plus par Diamond Painting. Donc, après ça, il manque un diamant sur, bon, j'ai fait un Diamond Painting, là, je ne vous ai pas tous montré, il faudrait que je fasse une vidéo pour tous vous montrer toutes les Diamond Painting que j'ai de fait. Je ferai ça, mais j'en ai quand même beaucoup, une belle review, sur ma page Instagram, si vous voulez aller voir, sur ma page Instagram, vous les avez tous. Vous avez tous les Diamond Painting que j'ai fait, mais pas sur ma chaîne YouTube encore. Petite parenthèse, là, petite bulle à part. Donc, c'est ça. Je crois que ça va être peut-être plus facile comme ça. Exemple, mon Diamond Painting de croix, là, il manque un diamant dessus. Mais là, d'aller fouiller dedans, puis OK, bon, là, les feuilles, bon, Diamond Painting de croix, bon, mais c'est ces deux feuilles-là. Fait que là, je fouille dans ça, je regarde lequel. Je crois que je vais probablement y aller plus de cette méthode-là. Vraiment, Diamond Painting par Diamond Painting, que d'y aller en ordre. Parce qu'en ordre, d'une façon, oui, ça va être en ordre, les numéros, mais ça va être quand même tout pêle-mêle. Puis moi, les Diamond Painting, pour qu'ils rentrent dans ma boîte, des fois, je coupe les côtés, donc je coupe les marges. Donc, si un diamant décolle, je vois juste qu'est-ce qui est écrit comme en dessous. Ça, j'ai pas nécessairement. Donc, je crois que c'est plus ça que je vais faire. Je vais identifier mes feuilles, puis je vais le marquer. Bon, mais dans le bas, je vais mettre une étiquette. C'est tel Diamond Painting. Puis, comme là, je vais écrire les lettres. Puis, lorsque j'aurai les chiffres, j'écrirai les chiffres, le code de la couleur, mais j'écrirai peut-être aussi la lettre en dessous. Parce que si le diamant décolle, ça ne veut pas dire que j'ai nécessairement toujours la légende encore à côté d'inscrit pour savoir quel numéro et quelle lettre. Oui, à un moment donné, on vient qu'on le sait, mais quand même, à la quantité que je fais. Donc, bon, voyez-vous, là, ça m'a pris 5 minutes de me décider. Mais c'est ça, je crois que je vais vraiment y aller Diamond Painting par Diamond Painting. Ça va être beaucoup moins compliqué, ça va être plus simple. C'est juste que là, à un moment donné, je vais avoir des feuilles que, bon, ça se peut que j'aie juste un petit sac dedans. Rendu là, je m'organiserai. Peut-être que, si c'est juste pour un ou deux, là, j'en mettrai un ou deux de plus dans l'autre feuille. Je vais voir, là, comment ça va donner. Mais, bon, donc, je commence ça tout de suite. Je vais y aller avec l'indienne. Alors, je vais vous montrer, là, ce que je parle de mettre une étiquette à l'extérieur. Je vais y aller avec des étiquettes comme ça, ici. Bon, il faut que je me trouve un crayon. OK. Donc, le Diamond Painting, c'est l'indienne. Tiens. Donc, je vais prendre mon collant, puis je vais venir le poser ici, dans le bas. C'est sûr que à quantité que j'ai besoin d'une deuxième feuille. Donc, lui aussi, je vais venir l'inscrire. Donc, j'en aurais 18. Fait que j'en aurais besoin de 21. Donc, je vais même avoir besoin d'une troisième feuille. Voyez-vous, ça en prenait plus que je pensais. Mais c'est pas grave, là, que ce soit 3 ou 4 feuilles, là. Ça va être tellement plus simple comme ça. Après ça, je vais savoir, là, vraiment... Est-ce que je les mets recto verso? Non, non, non. Je vais y aller juste un petit sac parce que là, s'il m'en reste beaucoup, ça va en faire trop... Ça va faire trop épais. Donc, je vais avoir besoin de ces 3 feuilles-là pour l'indienne. Donc, même chose, là, j'ai dit 4, 8, 12, 16, 20, 21. Donc, 1, 2, je vais m'en sortir 21. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, ça va passer quand même assez vite, hein, mes 500 petits sacs, là, ça paraît pas, là, mais... Bon, je vais me sortir quelques collants. Puis, c'est ça, je vais identifier, là, mes petits sacs. Puis ça, là, soit que moi, ce que je vous conseille, là, de l'écrire au stylo ou de l'écrire au crayon de feutre, parce qu'au crayon de plomb, bon, à force peut-être de jouer dedans ou quelque chose, ou avec le temps, là, peut-être que, bon, ça peut s'effacer, ou parce que, bon, j'ai question, en question, là, je devrais garder ça quand même, j'ai l'intention de garder ça quand même longtemps, là. C'est pour ça que je m'organise comme ça, parce que sur le long terme, là, mes petites boîtes là, pour garder mes diamants, là, parce que ça me prendrait des boîtes et des boîtes. Plus j'en fais, plus que ça, j'ai des nouvelles couleurs. Puis là, à un moment donné, c'est des sous, c'est environ, là, c'est une quinzaine de dollars la petite boîte. Puis là, je suis rendue à 3 boîtes d'acheter.
Ça m'en prendrait peut-être une quatrième. C'est pour ça que là, je me suis dit, wow, là, il faut trouver une autre solution là, de rechange parce que ça n'a pas de bon sens. Puis à un moment donné, je ne suis pas non plus pour avoir là, que ça me prenne une bibliothèque au complet, ranger tous mes diamants. C'est pour ça, là, c'est surtout sur question d'espace. C'est surtout vraiment pour que ça prenne moins de place parce que là, j'étais quasiment en train de me dire que je pourrais plus les garder parce que ça prend beaucoup trop de place. Donc, j'achève. Il m'en reste seulement un. J'essaie de me dépêcher pour faire le plus rapidement possible. Bon, ils sont tous faits. Donc, je vais garder ça ici à côté. Donc, j'irai pas au stylo. Moi, je vais y aller là, vraiment au crayon feutre. Donc, je vais me sortir. Est-ce que j'en ai? Je vais en avoir ici. Je vais me sortir un beau crayon feutre. Tiens, foncé pour qu'on voit bien. Donc, tout ce que je vais réécrire, dans le fond, pour l'indienne, j'avais pas les numéros, fait que c'est les lettres. Tu sais, M, Y, L pour 100. Donc, ça va être les M. Ça va être les Y. Les L. Le petit signe pour 100. Donc, ensuite, je vais venir ouvrir comme ça, puis je vais simplement mettre mes diamants à l'intérieur. Bon, ça, va falloir que je me trouve une méthode aussi pour être sûre là, que j'en renverse pas. Mais à date, ça va quand même bien parce que l'ouverture du sac est grande. Le contenant n'est pas si gros que ça. Donc, voyez-vous, ça a l'air de ça par après. Puis ensuite, je viendrai comme l'insérer ici dans ma pochette. Bon, il y a de la statique, ça ne rentre pas très bien. Et voilà. Donc, les M. Puis, ainsi de suite, je ferai avec toutes mes autres lettres. Donc, je vais faire ça pour toute la boîte. Là. Je ne vous garderai pas avec moi tout le long. Donc, je fais un petit bout en avance rapide. Vous allez voir là, comment que je fais. Puis, je vous reviens à la fin là, pour vous montrer ce que ça va faire. Donc, j'ai terminé. Je vais acheter l'excédent, là. Bon. Excusez-moi, là. Donc, j'ai terminé de faire mon organisation, comme vous avez pu voir. Puis, comme vous avez pu voir, ensuite, après, là, j'ai remis mon petit organisateur prêt pour un futur Diamond Painting. Ce pourquoi... oups, c'était écrit ici, indienne, là. On peut être permanent. Vous voyez, ça s'efface. Il n'y a aucun problème, là. Vu que c'est du plastique. Donc, c'est ça, mon organisateur est prêt là, pour un autre Diamond Painting. Mes petits collants, là, je les ai collés dessus. Puis, j'écris toujours au crayon plomb. Comme ça, je peux effacer, puis les réutiliser. Je ne suis pas obligée toujours de décoller l'étiquette, puis recoller une nouvelle étiquette. Ça évite une grosse perte de temps. Et puis, en même temps, bon, quand les étiquettes seront trop maganées, ben là, je les changerai. Mais pour l'instant, c'est ça. Donc, je vais vous montrer, là, j'ai le soleil à cette heure-là, là, qui est... Hi-ha! Donc, voici ce que ça a l'air. Un coup que c'est fait. Donc, vous pouvez voir, là, ici, on voit bien mes couleurs, là, en arrière. J'ai tous mes petits sacs. Ça tient super bien. Là, bon, pour cette page-là, j'en ai seulement trois. J'ai quand même identifié l'indienne. Là, j'ai 100 feuilles comme ça de neuf. Donc, lorsque j'aurai passé mes 100 feuilles, ou si, exemple, il manque de l'espace ou de quoi à la fin pour mettre un dernier Diamond Painting, je viendrai voir ceux que j'en ai pas beaucoup dans une feuille comme ça, puis bon, j'irai les mettre avec les autres. Mais pour tout de suite, vu que j'ai beaucoup de feuilles, puis j'ai de la place amplement dans mon cartable, je vais y aller comme ça. Donc, ça va être très simple lorsque je vais chercher pour un Diamond Painting, exemple que j'ai un diamant qui a tombé, mais je vais voir ici, bon, mais vous voyez l'indienne, ça, c'est ça.
Puis au fur et à mesure que je vais en terminer d'autres, là, il va y en avoir d'autres à la suite. Les diamants que j'ai déjà classés dans mes autres petits organisateurs, je vais les garder dedans pour tout de suite parce que j'avais mélangé plusieurs diamond pending. Donc, je vais voir, là, puis peut-être que je ferai des feuilles là, à la toute fin à part avec les numéros que j'ai là en ordre. Je me ferai peut-être comme une petite section, mettons, là, des diamond pending que j'avais. Mais pour l'instant, là, je vais fonctionner comme ça. Donc, aussitôt que je vais terminer, exemple, mais que j'avais fini le mignon, ça va être la même chose. Je vais venir mettre... mignon dans le bas et puis ainsi de suite là, je vais donc avec un cartable de 3 pouces là, d'après moi je devrais être capable là, quand même d'en avoir une coupe. Chose importante là, que j'ai constatée en le faisant, essayez lorsque vous mettez les diamants dans le petit ziploc d'enlever le plus d'air possible lorsque vous le fermez, là, qu'il y ait le moins d'air parce que ça gonfle moins dans ça, donc les petits sacs vont moins être portés à tomber. C'est sûr que, bon, j'irai pas tenir mon cartable à l'envers, là, parce que, d'après moi, c'est ça. Vous voyez, là, regardez, j'en ai déjà perdu un. Donc, bien important, là, j'ai fait un test en même temps. Donc, c'est ça. Bien important, là, de faire quand même attention, là, dans la manipulation, là, de ne pas l'échapper ou de ne pas le pencher vers l'avant parce que les petits sacs ici dans le haut vont sortir. Donc, moi, je vais, t'sais, je vais le ranger comme ça. Il va avoir sa place juste, tu sais, où ce que je ne vais pas m'en servir souvent pour éviter qu'il arrive des choses comme ça. Ça va être vraiment dans un tiroir à part. Mais bon, au lieu que ça me prenne un bureau au complet, là, ça va me prendre juste un tiroir serré mes diamants. Ça va être merveilleux. Donc, avec un paquet de 100 feuilles, là, j'en ai quand même pour un bon bout. J'ai pas mis les 100 dedans, j'en ai mis quelques-unes pour tout de suite. Et puis, au fur et à mesure là, que je vais avoir des diamond painting, je vais les rajouter. Donc, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je suis super contente de ma nouvelle méthode d'organisation. Je sens que ça va aller super bien. Ça va me prendre tellement moins de place. Ça va être merveilleux. C'est ça. Si vous aussi à la maison, vous trouvez que c'est une bonne idée, des fois, là, faites la même chose. Vous allez voir, ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter là, des petits organisateurs. Là, j'en avais 3 d'acheter et puis, voyez-vous... Là, ça m'a coûté pour ça, ça m'a coûté le prix, même pas de 2 organisateurs. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Là. Ça m'a pas coûté tant de choses que ça, mais c'est des sous très bien investis. Je suis très, très, très contente de l'idée. Donc, c'est ça, il y a juste les petites étiquettes que j'avais pas achetées, mais peu importe les étiquettes, là, vous pouvez prendre n'importe quelle étiquette que vous avez à la maison. Là, moi, j'ai pris des rondes, là, mais vous pouvez en prendre des plus petites ou... Vous organisez ça comme vous voulez. Mais un cartable avec des petits ziplocs et puis des pochettes de hockey, écoutez, c'est merveilleux. Donc, j'espère que je vous ai donné des idées. S'il y a de quoi, vous avez d'autres méthodes ou quoi que ce soit, gênez-vous pas, écrivez-moi en commentaire. Là, ça m'intrigue de savoir qu'est-ce que vous faites, là, comment vous les classez par la presse. Est-ce que vous les gardez? Est-ce que vous les jetez? Ou, vous pouvez m'écrire là-dessus. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc, merci tout le monde. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne. Bye bye! À une prochaine vidéo!